Prêtre contre prêtre. Ça se joue. Même si ça a prêtre aggro là, il y a peut-être moyen quand même. Si ça va être top, par contre, légendaire, bonne idée. Emmett, c'est ça. Ouais. Il y a un mec du chat qui a proposé. Emmett. Qui est joué notamment dans les decks Mekatona. Ok, il joue Ktone. Bah, c'est plutôt une bonne nouvelle ça. What the fuck? Quelle bonne nouvelle. J'ai pas besoin de jouer la quête, les gars. Hein, pour ceux qui n'ont pas compris. Mon but là c'est de faire mon fait. Et mon fait il me dit de piocher la quête le même tour. Je sais pas si gênant que ça. Parfait. Le fait il me dit que je dois piocher la quête le même tour où je la valide. Donc en gros je joue le truc qui coûte 5 plus ça et c'est bon quoi. Donc on a le tour 2, le tour 3, le tour 4, le tour 5 pièces quoi. Et go. En espérant qu'il nous casse pas trop la gueule avant. Mais c'est pas censé être aggro. Est-ce que du coup il coûte 7 dans la quête? Est-ce qu'il va le compter comme 7? Je suis même pas sûr ça. C'est Raza, t'as jamais le temps. Mais c'est pas Raza ni Big Priest là. Genre si je joue Ktone, je vois pas pourquoi j'aurais ça en Raza. Par contre ça m'inquiète vraiment là. Je ne suis pas très content de voir tout ça là. Ah oui, si je peux le faire, je le fais lui. Oui, si j'arrive à avoir le setup, autant le faire, ça je ne dis pas. C'est juste que c'est pas l'objectif premier. Ça peut être bien pour Kin. Après, pourquoi pas prendre ça? Parce que elle coûtera 5 et. Enfin, je sais pas si elle coûtera comme 5. On pourra check. Enfin, je veux dire si elle comptera pour la quête à 5. Voilà, gros. Ah, j'ai peur qu'il m'aggro avec son deck de merde là. C'est pas censé être avec aggro vu que je joue Ktone, mais. Ça c'est bien parti pour. C'est un miracle avec Ktone, bon. Je pense qu'il a une petite base de miracle, mais qu'il joue contrôle quoi. Moi je vais tomber contre un gros hard control là et. Tranquille, on se balade. Oui, elle compte. J'espère que tu ne m'as pas menti. Autrement tu en subiras les conséquences. Ah, elle est chiante là, la poste. Après, ça va parce que si eux coûtent 9, on s'en fout. Si eux ils coûtent 8, bah ça valide de toute façon. J'ai déjà mon 5. Donc, c'est ok en vrai. Il y a un TK dans son deck et les esprits, il va. Bah, s'il joue Ktone, je pense que l'OTK c'est surtout Ktone. Après, il a peut-être un deuxième OTK, mais ce serait bizarre d'avoir foutu Ktone si tu veux pas tuer Ktone. Genre, jouer Miracle avec Ktone dans le deck, ça me paraît chelou. Bon, elle joue up cette merde. On va jouer ça pour les 5. J'ai le 7 là d'ailleurs. Ah ouais, mais j'ai déjà 7. J'ai déjà 7, en 7. Hein. C'est vrai que j'ai déjà 7 pour le 7. Faut juste que je chope le cri et c'est bon. Bon, hystérie si on veut faire un tour de clean. Personne va me casser la gueule, on sait jamais. Ouais.
C'est pas un problème, j'aurai le creep pour vite, les gars. Easy, easy. Salut, Bradgers. Tu vas bien? Qui pense qu'il fait la game? Bon. Il est même pas si chiant, hein. J'ai peur qu'il me fasse une dinguerie là, donc je sais pas si je dois pas hystérie, mais en vrai go faire ça, genre jamais il va me tuer là, non tranquille. Tranquille, faisons notre quête. Si on chope pas Cryptichek, prochain tour on fait l'hystérie. Hein. Et si on est mort, bah. Unlucky. Mais avec Toon encore une fois j'y crois pas. Tu fais cal au fait. Piocher la quête en même temps qu'on la valide. Enfin, piocher l'éclat de la quête. Alors, j'ai pas envie de parler trop vite, mais j'ai quand même l'impression, je dis bien l'impression, que je suis tombé sur la plus grosse poubelle du wild. Ce qui va me permettre de peut-être réussir à valider ma quête à moi qui se barre. J'ai l'impression qu'on est un peu dans ce délire là. Que je suis dépendant de est-ce qu'il va se barrer ou pas pour valider ma quête. En vrai, il reste. Ouais. Go hystérie, hein. Je tape même pas avant aussi. Peut-être là. Là, ouais. J'aime pas que je dois taper. Non, vas-y, Osef. Il est en vie. Moi, je suis un good guy et j'ai pas envie d'aggro, hein. Bon, du coup, il reste plus que lui pour valider. Je peux aller chercher avec le Thailan. Ok. Ah, t'as raison, Asmagan, il doit jouer avec commissaire, je suis d'accord. Yep, il doit jouer avec commissaire. Très probablement, bien vu. Commissaire a clairement beaucoup de sens. Il n'y a plus de râle d'agonie, donc autant jouer ça, c'est parfait. Par contre, c'est psychique, c'est chiant. S'il y en a un deuxième. Allez, laisse-moi choper mon Morg. C'est cool, il y a un mec qui est resté pour le fait avec Florbenadis. Ouais, mais c'est pour ça que moi je voulais pas jouer la combo classique. Du coup, le mec qui m'a proposé de le faire avec Morg, c'est parfait. Parce que j'ai peur que les mecs se barrent en vrai. On a 10 cartes, mais on a la place du coup. Hein. Yep. Là, il faut pas qu'il se barre et je fais ça, ça et c'est bon. Et après, on peut essayer de gagner s'il veut bien. Avec l'éclat. Oui, c'est validé. Laisse-nous faire l'animation. Il aura pas la mana pour le jouer, même s'il l'a. Ça part.
Je veux voir s'il te plaît. Moi j'étais ok pour le faire, hein. ça dépendait de mon adversaire. Ok. Ah, le Mehmet était cool pour Falofé. Good guy en face. Ouais. Bah, en vrai, quand les combats durent aussi longtemps, même moi j'aurais laissé, je pense. Enfin, je dis même moi, genre. Souvent je tryhard pas autant, mais quand tu fais une game de 25 minutes, si un mec te fait une combo à la fin. Bon, là c'était pas 25 minutes, en vrai, mais ça dure, tu vois. Une première fois que j'avais aussi, hein, je l'avais jamais vu. Et ça nous permet de récupérer de l'XP et les poids de haut fait.